La semaine dernière, j'avais fini un petit peu rapidement pour essayer que les gens qui m'avaient prévenu qu'ils ne viendraient pas aujourd'hui puissent avoir la fin de la preuve. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous la refaire plus lentement avec les détails cette fois. Donc, notre but, c'était de montrer la trivialité. Donc, il y avait deux quantités qu'on avait introduites. La première, c'était la susceptibilité, la somme pour tous les x dans ZD de sigma 0, sigma x, bêta, et disons qu'on va mettre les conditions libres. Donc là, je vous avais dit, bon, il y a un petit, c'est une mesure qui est directement définie sur ZD, il faudrait prendre une limite faible de mesure sur des boîtes finies, mais je vous ai dit que je ne rentrerai pas dans cette discussion. Donc, supposons qu'il y ait une mesure de Gibbs en volume infini. Il y avait une deuxième quantité qu'on avait définie, qui était xi bêta, et que j'avais définie comme étant 1 sur, donc, sur la limite quand n tend vers plus infini, de moins 1 sur n, log de sigma 0, sigma n e 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends le spin en 0, je regarde sa corrélation avec le spin NE1, où E1, c'est juste le voisin, disons, à droite de 0. Et je prétends, ce qui n'est déjà pas tout à fait évident, que cette quantité décroît exponentiellement vite. Donc là, on est pour bêta plus petit que bêta C. Donc ça, je sais que ça décroît exponentiellement vite, mais qu'en fait, ça décroît exponentiellement vite à une certaine vitesse. D'accord? C'est exactement ce que dit cette définition. Donc peut-être laissez-moi vous justifier ça, qu'on a bien une on a bien quelque chose comme ça. Donc ici, parenthèse, justification de la définition, donc ça s'appelle xi bêta, c'est la longueur de corrélation. Et j'aimerais vous justifier pourquoi c'est bien défini. Donc, une façon typique de montrer qu'il y a vraiment une vitesse de décroissance exponentielle, c'est de montrer en fait que cette suite-là, si je définis un comme étant la corrélation entre sigma 0 et sigma ne1, que cette suite, en fait, elle est sous-multiplicative. Donc, quand je prends sigma 0, sigma n plus m e1, on va enlever le bêta et le free. Ce que je vais dire, c'est que ça, c'est la même chose que sigma 0, sigma NE1, sigma NE1, sigma N plus M, E1. D'accord? Là, j'ai juste multiplié par 1. Mais maintenant, j'utilise cette inégalité qu'on a montrée, c'est la première inégalité de Griffiths, pour dire quand j'ai sigma de le produit de sigma de spin sur un ensemble A fois sigma X, sigma Y, c'est toujours plus grand, cette corrélation, que le produit des corrélations. Donc là, par Griffiths, c'est toujours plus grand que sigma 0 sigma NE1 fois sigma NE1 sigma N plus M E1. Et là, j'utilise juste l'invariance par translation pour dire que du coup, c'est plus grand que ça. Enfin, c'est égal à ça. Là, ici, la dernière, c'est une égalité. Voilà, donc c'est une suite super multiplicative. Et donc du coup, quand on prend à la puissance 1 sur n, ça converge vers une limite. Converge vers une limite A, qui est strictement plus petite que 1. Ça, c'est dû au fait qu'on sait que ça décroît exponentiellement vite. Ça, c'est dû au fait que... que l'on a des croissances exponentielles. Et du coup, je définis juste, on définit xi bêta comme étant donc quelque chose comme 1 sur logarithme de 1 sur a ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc c'est bien entre 0 et l'infini.
Donc c'est bien défini, xi bêta. Et ensuite, je vous ai dit, donc ça c'est pour fermer la parenthèse, et, juste une petite chose en plus du coup qu'on a automatiquement, hein, on a automatiquement, donc bonus, c'est que sigma 0, sigma ne1 est toujours plus petit ou égal à exponentielle de n sur xi bêta, sans correction en plus. Ça c'est uniforme en bêta et en n. Voilà. Donc maintenant, le théorème de trivialité. Il consistait à dire que G de bêta, qu'on avait appelé la constante renormalisée de couplage, G bêta, donc qui valait la somme sur les X, les Y et les Z de U4 bêta de 0, x, y et z. Donc vous vous souvenez, ça c'est quoi? C'est le produit des 4, c'est la corrélation des 4 spins moins les corrélations par paire. Et donc je somme sur tous les x, y, z. Cette chose-là, quand je la renormalise par le carré de la fonction de la susceptibilité fois la longueur de corrélation à la puissance d. Et ça, je vous avais rapidement expliqué, mais je ne vais pas revenir là-dessus, mais que c'était l'ordre de grandeur naturelle de cette chose-là s'il n'y avait pas vraiment d'annulation. Donc mon but, c'est de montrer, c'est de dire cette chose-là est beaucoup plus petite que le produit des 4 spins. Donc c'est vraiment, en quelque sorte, si je veux avoir les corrélations entre les 4 spins, c'est à peu près comme avoir juste le produit par paire de spins. Donc avoir la formule de Wick. Si je moyenne, ça devrait donc être beaucoup plus petit que juste la somme ça devrait être beaucoup plus petit qu'on s'y attend, que la somme des produits de spin. Et ça, ce serait exactement ce que ça vaudrait s'il n'y avait aucune annulation, en fait. Si c'était pas beaucoup plus petit. Donc je regarde cette quantité, et mon but, c'est d'essayer de montrer qu'elle tend vers 0 quand bêta tend vers 0, et c'est exactement l'objet de ce théorème. Enfin, le résultat de ce théorème. Donc essayons de montrer ça. Donc la semaine dernière, puisque je voulais faire un raccourci et tricher un peu, j'ai vraiment un peu trop... J'ai introduit une autre définition de la longueur de corrélation, parce que ça m'arrangeait. En fait, je me rends compte que c'est peut-être un tout petit peu compliqué la chose pour rien. Donc restons avec cette chose-là. Donc première chose, c'est j'ai une borne comme ça. Est-ce que je peux la déduire pour n'importe quel sigma x? Donc si je prends sigma 0, sigma x, est-ce que j'arrive à avoir une borne sur cette quantité en fonction de la longueur de corrélation? Alors sans perte de généralité, ce qu'on va supposer, c'est que la norme infinie de x, hein, c'est le maximum sur i égale 1 à d, de xi, je vais supposer que c'est égal à x1. D'accord ? Donc en fait, par symétrie, on peut supposer que la première coordonnée est la plus grande et qu'elle est positive. Alors ce que je vais regarder là, c'est que regardons cette chose-là. De 2 norme infinie de x, e1. Donc je prends 0. Il y a x qui est quelque part par là, et je fais le symétrique, et je regarde ici, j'ai donc 2, norme infinie de x, e1. Et je regarde corrélation de spin fois corrélation de spin. Bon, bah là, je peux utiliser Griffiths pour dire ça, c'est plus petit ou égal à sigma 0, sigma 2, norme infinie de x, e1. Et cette chose-là, j'ai la borne ici, appliquée à n égale 2 fois la norme infinie. Donc c'est plus petit que l'exponentielle de 2 fois la norme infinie de x divisé par xi bêta. D'accord? Du coup, ça c'est quoi? C'est juste le carré de cette quantité-là, hein, par symétrie. Donc j'ai bien, en fait, ce que j'avais pour tous les n, je l'ai aussi, on en déduit. Que sigma 0, sigma x...
c'est toujours plus petit que l'exponentielle de moins la norme infinie de x sur xi bêta. Ça, pour ceux qui ont fait de la percolation, c'est la même chose pour la probabilité de 0 reliée à x. C'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. C'est le fait qu'il n'y ait pas de correction ici. C'est très utile quand on s'approche de PC ou de bêta C, parce qu'on a des bandes qui sont uniformes. Voilà. Du coup, quand on fait ça, pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que ça va me permettre d'avoir une borne pour la susceptibilité en fonction de la longueur de corrélation. C'est ça que je recherche. Donc la susceptibilité, je vous rappelle, puisque c'est la somme pour tous les sommets de ZD, je vais décomposer entre les sommets qui sont proches de l'origine et ceux qui sont loin. Donc je vais dire, je vais prendre les x tels que norme infinie de x est plus petit qu'une grande, une constante C1 fois xi bêta log de xi bêta. Donc là, je vais avoir ces premiers-là. Et je vais avoir une deuxième quantité qui concerne que les gens qui sont plus loin. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme borne ? Donc le deuxième terme ici, je vais juste borner par exponentielle de moins norme infinie de x sur xi bêta. Et puisque j'ai pris ce choix-là, ici, je vais obtenir en fait assez facilement, il faut juste faire un petit calcul, que c'est plus petit que xi bêta à une puissance moins c2 si on choisit c1 suffisamment grand. D'accord ? Parce que vous voyez, le xi bêta ici va s'annuler, et puis j'ai un log de xi bêta qui me donne une puissance inverse de xi bêta qui va battre l'entropie, qui va battre le fait qu'on a beaucoup de gens. Donc ça, je vous laisse faire le calcul. Il y a une question là-dessus ? Non ? Il ne faut pas hésiter. Hein. Maintenant, il y a ce terme-là. Donc soit ici, je peux toujours dire, OK, je vais borner ça par cette borne-là. Le petit problème, si je fais ça, c'est qu'en gros, ça revient à borner par 1. Donc ici, je vais avoir quelque chose qui va être de l'ordre de xi bêta à la puissance d. Ce n'est pas top. Donc on va améliorer ça, on va utiliser la borne infrarouge pour dire que cette chose-là, c'est plus petite qu'une constante C3 divisée par la norme infinie de x à la puissance d-2. Donc je borne par la fonction de Green. Et ici, on va mettre un plus du coup. Mais maintenant, quand je somme cette chose-là sur cette boîte, j'obtiens quelque chose qui est de l'ordre de donc C4, xi bêta au carré, log de xi bêta au carré. Et j'ai encore le dernier terme. Et vous voyez, le dernier terme est même plus petit que 1, donc on va juste l'oublier, on va l'incorporer dans le premier. Donc on a bien une borne dans ce cas-là. On a la susceptibilité qui est en gros de l'ordre de xi bêta au carré. En fait, si on améliore un tout petit peu le raisonnement, on peut voir que c'est exactement de l'ordre de xi bêta au carré. Il n'y a pas de correction logarithmique. Maintenant, on en a fini, en gros, puisque quand on regarde G de bêta, donc on avait vu dans le lemme précédent que cette quantité-là était bornée par la susceptibilité à la puissance 4. Donc j'obtiens la susceptibilité à la puissance 4 divisée par la susceptibilité au carré fois la longueur de corrélation à puissance D. Quand je fais toutes mes simplifications, j'obtiens la susceptibilité au carré en haut, que je peux borner par ça. Donc je vais obtenir C4 xi bêta au carré log de xi bêta
le tout au carré, puisque c'est la susceptibilité au carré, divisé par xi bêta à la puissance d. Et donc, j'obtiens en gros C4 au carré, log de xi bêta à la puissance 4, divisé par xi bêta à la puissance d-4. Voilà. Maintenant, on avait vu ici, donc on va pouvoir utiliser ça pour dire que on a vu que, vous vous rappelez, quand on utilise phi tilde de bêta, phi tilde de lambda n, phi tilde bêta de lambda n, donc c'était quoi? C'était la somme sur les sommets qui étaient sur le bord de la boîte de lambda de taille n, de sigma 0, sigma x à la puissance bêta. Et donc ça, c'est plus petit ou égal à peu près la boîte de la taille, la taille de la boîte, c'est-à-dire cette chose-là, fois exponentielle de moins n sur xi bêta. J'ai utilisé cette inégalité-là. Et je vous ai dit, cette chose-là, ça tend vers quoi au point critique? Le phi tilde de bêta c, je vous ai dit, pour n'importe quel ensemble S, était plus grand ou égal à 1, parce qu'à partir du moment où c'était plus petit que 1, on avait des croissances exponentielles, on n'avait pas des croissances exponentielles au point critique. Donc cette chose-là tend vers 1. Du coup, vous voyez que, pour toute n, donc vous voyez que ça implique d'où la longueur de corrélation tend vers plus l'infini quand bêta tend vers bêta c. Une autre façon de voir, c'est tout simplement, oui, on pourrait le voir aussi comme ça, si xi bêta tendait vers une constante qui n'est pas plus infinie, alors sigma 0 sigma x à bêta c serait plus petit que l'exponentielle de moins la norme de x infini divisée par cette constante. Donc on aurait des croissances exponentielles au point critique. Voilà. Donc ça tend vers 0, du coup cette chose-là, ça tend vers plus infini, du coup cette chose-là tend vers 0. Voilà. Donc là, c'est la fin de la preuve. Donc ça, c'était la preuve que j'avais faite rapidement la semaine dernière, cette fois avec tous les détails. Ce qui est bien, c'est que je pense qu'il y a moins de lignes que la semaine dernière. Donc, à vouloir faire la chose rapidement, je l'ai rendu plus obscur que voulu. J'aimerais vous donner un autre théorème, en fait, relié au comportement en champ moyen, en quelque sorte, d'Ising, qui est le suivant, qui est qu'il existe deux constantes, C et grand C, entre 0 et plus l'infini, telles que, pour tout bêta plus petit que bêta C, quand je regarde la susceptibilité, ben elle va être bornée, inférieurement et supérieurement, par constante divisée par bêta moins bêta c, et ce sera plus grand que constante divisée par bêta moins bêta c. Donc ça, d'un point de vue comportement critique, ça nous dit que l'exposant critique qui régit le comportement de la susceptibilité, c'est 1. Voilà. D'accord? Donc essayons de montrer ça. C'est vrai en toute dimension, quoi. Alors non. Vous allez voir, on va voir très bien, je vais vous dire ce qui est vrai et ce qui est faux dans les autres dimensions. Ouais, c'est une très bonne question. Vous allez voir, on va voir qu'il y a une des inégalités qui est tout le temps vraie et il y en a une autre qui ne l'est pas. On peut mettre dans le théorème, alors c'est pour quelle dimension? Ah oui, oui, là on est. C'est, oui, la partie, elle est vraiment. C'est tout ça, c'est toujours en dimension 5 et plus. Oui, oui, oui. Là, on est vraiment dans la section, on est sur ZD avec D plus grand que 5. Ça devrait être vrai aussi en dimension 4, mais cette fois peut-être avec des corrections logarithmiques dépendant de ce qu'on considère. Alors, donc, comment on peut essayer de faire ça? Alors peut-être avant même de commencer, le fait qu'on ait on a juste un rappel,
Quand on a dit qu'on n'avait pas décroissance exponentielle au point critique, en fait, on avait montré même plus que ça. On avait montré que la fonction, que la susceptibilité valait plus l'infini. D'accord ? Donc ça, on va s'en servir. Donc imaginez, la susceptibilité vaut plus l'infini, donc 1 sur la susceptibilité vaut 0. Une façon d'arriver à montrer ça, ce serait de montrer que la dérivée de 1 sur la susceptibilité est d'ordre 1, en gros. Parce que vous l'intégrez entre bêta et bêta c. En bêta c, vous savez que 1 sur la susceptibilité, c'est 0. Donc notre but, ça va être... But, ça va être d'estimer... En gros, la dérivée, puis on va essayer d'avoir quelque chose de positif, donc on va faire la dérivée de moins 1 sur la susceptibilité. Voilà. On va essayer de montrer qu'elle est forcément constante, cette dérivée. Alors, hop là. Allons-y gaiement. Donc, estimons la dérivée. Donc la dérivée de moins 1 sur une fonction, donc on va obtenir 1 sur la fonction au carré. Et puis on va avoir la dérivée de la fonction elle-même. D'accord ? Donc la somme sur x appartenant à zd de la dérivée de sigma 0 sigma x. D'accord ? Donc la dérivée de sigma 0 sigma x, ça donne quoi? Ça donne la somme sur u voisin de v. Rappelez-vous, hein, ça c'est voisin. De sigma 0 sigma x sigma u sigma v moins sigma 0 sigma x sigma u sigma v. Excusez-moi, vous n'allez pas pouvoir lire là. Voilà. Maintenant, donc on a maintenant, donc c'est la somme sur x et la somme sur u voisin de v. Cette chose-là, c'est quoi? On a vu comment on écrivait ce genre de choses-là. C'est égal exactement à sigma 0 sigma, disons u, sigma v sigma x, fois la probabilité pour deux courants, l'un avec source u et v, l'autre avec source x, u et 0 et u, excusez-moi, l'autre avec source x et v, de, donc là j'ai 0, j'ai u, j'ai v et j'ai x, de ne pas avoir de connexion entre u et v. Pourquoi? Parce que ici vous faites passer les sources sur le premier courant, vous allez payer l'indicatrice que U doit être relié à V. Donc du coup, sachant que vous faites 1 moins l'indicatrice que U est relié à V, ça vous donne U n'est pas relié à V. Et après, vous faites repasser les sources, cette fois par exemple, vous faites passer les sources 0U sur le deuxième courant, et vous obtenez, enfin XV sur le deuxième courant, vous obtenez exactement ça. Donc ça, on a fait ces manipulations plusieurs fois, c'est toujours les mêmes. Il y a vraiment... Ça n'a pas changé, là. Voilà, donc on a cette formule-là. Par contre, j'ai oublié, excusez-moi, de reporter la susceptibilité au carré. Alors, est-ce qu'on aurait, par exemple, une borne supérieure sur cette quantité? Ce qu'on peut faire... On peut juste borner la probabilité par 1. Donc si on borne, donc borne supérieure. Donc ça, c'est toujours plus petit ou égal à somme sur x et somme sur u voisin de v de sigma 0 sigma u sigma x sigma v divisé par la susceptibilité au carré. Je borne juste par 1 la probabilité. Qu'est-ce que ça vaut, cette quantité? Bah, fixez 0 u et v, sommez sur x. Vous obtenez quoi?
Par invariance par translation, ici, vous allez juste obtenir la susceptibilité. Donc ça, c'est exactement égal à 1 sur la susceptibilité de bêta fois la somme sur U voisin de V de sigma 0, sigma U. Cette partie-là, elle disparaît, c'est juste la susceptibilité quand vous sommez sur X. J'ai utilisé l'invariance par translation. Et ici, bon, je suis en train de compter V voisin de U pour rien, en quelque sorte, donc il va y avoir un 2D qui est dû au fait que j'ai 2D voisin de U. Et maintenant, je somme sur U. C'est quoi? C'est juste la susceptibilité. Donc cette quantité-là, en fait, elle vaut exactement 2D. Du coup, ça nous dit automatiquement que la dérivée par rapport à bêta de moins 1 sur la susceptibilité est toujours inférieure à 2D. Donc ça, c'est vrai en toute dimension. J'ai rien utilisé de la dimension D là. Enfin, de la dimension 5 ou plus. Du coup, juste, on fait l'intégration. Donc, ça va nous donner moins 1 sur la susceptibilité en bêta C, moins 1, donc ça va nous donner 1 sur la susceptibilité en bêta, et plus petit ou égal à 2D fois bêta C moins bêta. Et donc, ça nous dit, puisque cette chose-là est égale à 0, ça nous dit que la susceptibilité pour bêta est plus grand que 1 sur 2D bêta C moins bêta. Donc cette inégalité, elle est vraie en toute dimension. Voilà. Donc ce qui va être dur, c'est d'essayer d'avoir l'autre inégalité. C'est la borne inférieure qui est difficile. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser. En fait, on a quasiment fait déjà le travail. On a juste à récupérer ce qu'on a fait. Cette chose-là, on va écrire que c'est 1 moins la probabilité que tout le monde est relié ensemble. Et tout le monde relié ensemble, ça, on a calculé. C'était cette chose où on a rajouté. On a fait pas mal de travail. C'était le lemme, là. On a rajouté un y, on a sommé sur tous les y, etc., etc. Donc, je vous rappelle juste que la proba 0u, proba xv de ne pas être lié, donc d'avoir 0u, v et x comme ça, ça c'est 1 moins, enfin c'est plus grand que 1 moins la somme sur tous les y de sigma 0, sigma y, sigma u, sigma y, sigma v, sigma y, sigma x, sigma y, et le tout divisé par sigma 0, sigma u, fois sigma v, sigma x. Voilà, donc c'est une grosse expression, mais c'était l'inégalité qu'on avait. On avait utilisé cette borne-là pour la proba d'être relié. Donc du coup, j'obtiens cette borne-là pour la proba de ne pas être relié. Donc ça, je ne refais pas la preuve, hein. C'était le contenu du lemme. Maintenant, réinjectons ça. Donc quand on réinjecte ça dans cette horreur ici, il y a quelque chose qui se passe. Donc il y a déjà le 1. Bah le 1, on a fait le calcul. Hein. Quand on borne par 1 la probabilité, on obtient 2D. Donc le 1 moins toute la partie 1, ça va nous donner sur la dérivée. Ça nous donne 2D, la première partie. Donc la question, c'est le moins. Donc pour le moins, j'ai la somme. Donc j'ai 1 sur la susceptibilité au carré. Après j'ai la somme sur x, sur u voisin de v, et sur y. Et ce que je vois, c'est que le sigma 0, sigma u fois sigma v, sigma x,
Bah, il se simplifie juste avec le dénominateur là-bas. Donc j'ai plus qu'un numérateur, j'ai plus que ces produits de 4 corrélations. Donc j'ai sigma 0, sigma y, sigma u, sigma y, sigma v, sigma y, et sigma x, sigma y. Voilà. C'est juste ça. Donc là, l'idée, c'est ce qu'on arrive à borner ça. Et en particulier, vous voyez, ce qu'on aimerait bien faire, c'est essayer de voir si on ne voit pas apparaître la susceptibilité au carré là-dedans. Bon, bah, oui, on la voit apparaître. Regardez le x, par exemple. Si j'ai fixé toutes les autres coordonnées et que je somme sur x, je vais avoir exactement la susceptibilité au carré. Donc, si j'enlève ce terme-là, le seul coût que je paye, c'est d'enlever le carré ici. Maintenant, est-ce que je vois apparaître, est-ce que je peux annuler une deuxième personne ? Ben en fait, je peux annuler, vous voyez, faites dans votre tête, faites le changement de variable, soustrayez moins y partout. D'accord ? Cette chose-là, on peut le réécrire. Donc peut-être je vais le réécrire. Donc ça fait 2d, moins 1 sur la susceptibilité. Et là, j'ai la somme sur u voisin de v et sur y. Mais là, je vais utiliser la translation partout. Donc je vais dire ça, c'est sigma moins y, sigma 0, sigma u moins y, sigma 0, et sigma v moins y, sigma 0. D'accord ? Et vous êtes d'accord, sommer sur u moins y et v moins y, enfin sur u voisin de v ou sur u moins y et v moins y, c'est la même chose. Donc ici, je vais sommer comme ça. Voilà. Donc du coup, là maintenant, je vois apparaître de nouveau, exactement comme avant, une somme libre qui est la somme sur y. Donc la somme sur y va venir s'annuler avec cette dernière susceptibilité. Donc en tout, j'obtiens 2d moins la somme sur u voisin de v de sigma u, sigma 0, sigma v, sigma 0. Alors là, faites bien attention, on peut plus, U et V étant voisins, on ne peut plus jouer le même jeu d'essayer de faire apparaître la susceptibilité. En fait, à vrai dire, ce terme-là, si vous réfléchissez bien, il est donc somme sur U voisin de V de sigma U, sigma 0, sigma V, sigma 0. Ça, c'est du même ordre de grandeur que la somme sur U de sigma 0, sigma U au carré, en fait. C'est ça le vrai ordre de grandeur. Cette chose-là. Donc pour le voir, vous pouvez juste dire que sigma v, sigma u, sigma 0, par exemple si vous voulez avoir une bande supérieure, disons, vous pouvez voir que sigma v, sigma 0, c'est plus petit que sigma 0, sigma u, divisé par sigma u, sigma v. Pourquoi ? Parce que c'est de nouveau Griffiths. Sigma 0, sigma u, c'est plus grand que sigma v sigma 0 fois sigma u sigma v. Et après, vous avez 2d, vous sommez 2d fois sur le v. Donc si vous voulez quelque chose de plus précis ici, vous auriez pu mettre 2d fois sigma u sigma v où u et v sont voisins. Donc vous avez une bande comme ça. Donc cette quantité ici, c'est une quantité très importante, ça s'appelle le bubble diagram. Et ce bubble diagram, si on regarde s'il est fini ou pas, est-ce que c'est quelque chose qui est fini ou pas ? Quand je fais la somme sur U de sigma 0 sigma U au carré et que j'utilise l'infrared band, la bande infrarouge, j'obtiens quoi ? J'obtiens que c'est plus petit que la somme sur U d'une certaine constante. Je l'avais peut-être appelé... je lui avais donné un nom, peu importe. C0 sur u à la puissance d-2, le tout au carré.
Donc je somme sur U, en gros, une constante fois, je suis en train de sommer 2D moins 4. Enfin, 1 sur la puissance 2D moins 4. Et ça, en fait, faisons un petit calcul. Ça fait la somme sur K. Il y a combien de personnes à distance K? Ben, il y en a à peu près K puissance D moins 1. Donc j'ai un K puissance D moins 1 sur K à la puissance 2D moins 4. Donc j'obtiens la somme sur K de K à la puissance, enfin de 1 sur K à la puissance D moins 3. Et donc ça, ça va être bien fini. 6D est plus grand que 5. Et on voit qu'en dimension 4 ou inférieure, on a un problème pour cette borne-là. D'accord? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce bubble diagramme, il va être infini en dimension 4 et plus petit, au point critique. Mais là, uniformément, donc ça, cette borne, c'est une borne uniforme en bêta plus petit ou égal à bêta C. Toute bêta plus petit ou égal à bêta c, on a une borne. Donc vous voyez, si j'enlève le carré, j'ai la susceptibilité, j'ai pas de borne uniforme en bêta plus petit que bêta c, puisque quand je tends vers bêta c, la susceptibilité tend vers plus infini. Mais si j'ajoute le carré ici, alors j'ai quelque chose de convergent. Donc ça, cette propriété, en fait, c'est le point de départ de tous les calculs d'exposants en dimension 5 et plus. C'est le fait que cette quantité est finie, permet de montrer que les exposants sont les mêmes qu'en champ moyen. Voilà. Pour la percolation, pour ceux qui ont fait de la percolation, c'est une chose un tout petit peu différente qui s'appelle triangular diagram, qui est quelque chose d'un peu différent, qui lui n'est pas convergent en dimension 5, il commence à être convergent en dimension 6 et plus, enfin 7 et plus. Du coup, c'est pour ça que le comportement en champ moyen pour la percolation ne commence qu'en dimension 7 et plus et non pas en dimension 5 et plus. Enfin, 4 et plus et 6 et plus. Encore une fois, à dimension 4 ou en dimension 6 pour la perco, il y a des choses un petit peu plus complexes qui se passent à cause de corrections logarithmiques. Bref, si on en revient là, parce que là, pour l'instant, on n'a pas fini notre preuve. Parce que le problème, c'est que cette chose-là, bon, bah, elle est finie, très bien, mais elle n'a absolument aucune raison d'être petite. Or, nous, on a un 2D moins quelque chose qui est exprimé comme ça. C'est peut-être négatif, la borne que j'ai obtenue là. Donc si ça divisé par ça était strictement plus petit que 1, dans ce cas-là, j'aurais gagné. Mais ce n'est pas le cas. D'accord? Par contre, ce que je peux faire, c'est qu'ici, si je pouvais me restreindre à des U qui ne sont pas... Donc là, si je pouvais me restreindre à des U qui ne sont pas dans une boîte de taille R... Donc si je fixe un grand... Maintenant, je sais que c'est convergent. Je prends un R suffisamment grand pour que cette chose-là... Donc par exemple, pour que cette chose-là soit strictement plus petite que un truc du style sigma U sigma V sur 2. Parce que vous voyez, si cette chose-là est strictement plus petite que sigma U sigma V sur 2, alors 2D sur ça fois les U qui ne sont pas... dans la boîte de taille R de sigma 0 sigma U au carré sera plus petite que 1/2 de 2D. Et donc quand je ferai 2D moins ça, j'obtiendrai quelque chose qui est plus grand que D. Et du coup, j'ai une borne inférieure qui est une borne d'ordre 1. D'accord? Donc, est-ce que j'ai le droit de mettre U n'appartient pas à B ici? Donc ça revient à quoi en fait quand vous remontez, si vous faites attention et que vous remontez, ça va revenir en fait ici à dire Y n'appartient pas à la boîte de taille R. Il faut juste regarder faire chaque étape, remonter tranquillement avec les changements de variables, ça revient à dire ça. Ici, c'était quoi? Donc c'était 1 moins la probabilité d'être lié, et en gros, là, ce qu'on disait, c'est que la probabilité d'être lié, on le bornait par l'espérance du nombre de points dans l'intersection des deux clusters. Là, ce que je vous dis, c'est qu'il faut prendre l'intersection, l'expérience du nombre de points, mais qui ne sont pas dans la boîte de taille R.
Donc ça, en fait, ça va être relié facilement à la proba de ne pas s'intersecter en dehors de la boîte de taille R, en fait. Donc ici, ça va être ne s'intersecte pas en dehors de la boîte de taille R. Maintenant, il y a un petit argument qui vous dit si ça ne s'intersecte pas en dehors de la boîte de taille R, ça ne s'intersecte pas tout court avec proba positive, en fait. Conditionnellement à ne pas s'être intersecté jusqu'à la boîte de taille R, je vais peut-être payer un coût très très cher, mais qui ne dépend que de R, qui va nous dire du coup, avec proba positive, je ne m'intersecte pas dans la boîte tout court. Donc ici, vous auriez une grande constante, probablement exponentielle de quelque chose en R puissance D, hein, quelque chose d'horrible. Mais ici, vous pourriez avoir 0U, donc partir de ce qu'on voulait, c'est-à-dire cette chose-là, et dire c'est plus grand qu'une constante fois la probabilité de ne pas s'intersecter à la boîte de taille R, et là faire exactement le même raisonnement, et obtenir du coup à la fin une bande cette fois qui est vraiment petite, et obtenir ce D. Donc du coup, en tout, quand on résume le tout, donc là c'est un tout petit peu technique, mais je vous fais entièrement confiance sur le fait que vous pourriez remplir les trous vous-même. Donc du coup, tout ça, ça nous donnerait en fait que la probabilité, elle est uniformément bornée, loin de zéro. Et du coup, quand je réinjecte là-bas, on obtient tout simplement que la dérivée de 1 de moins 1 sur la susceptibilité de bêta, ça va être plus grand qu'une constante qui doit être, en gros, cette constante divisée par 2, si vous voulez, quelque chose comme ça. Et du coup, quand j'intègre ça, en intégrant, j'obtiens que la susceptibilité est plus petite qu'une grande constante divisée par bêta moins bêta c. Voilà. D'accord ? Donc là, le seul endroit où j'ai triché, c'est que je ne vous ai pas dit vraiment en détail comment on remontait là, toutes les étapes. Celle-là, c'est vraiment très très simple. Et le petit truc un tout petit peu plus compliqué, c'est avoir cette borne C. Ici. Voilà. Voilà, ça c'était tout ce que je voulais raconter sur le modèle d'Ising en dimension 5 et plus. Maintenant, on va redescendre en dimension. D'ailleurs, enfin, pas vraiment, mais on va dire quelque chose qui est non trivial sur le modèle d'Ising en toute dimension plus grande que 3 cette fois. Donc ce sera très intéressant pour la dimension 3 et 4. En dimension 5 et plus, c'était déjà connu parce qu'on peut continuer l'étude que j'ai commencée là et montrer beaucoup plus de choses. Mais par contre, cette étude, elle est basée, si vous voulez, de façon cachée sur le fait que ce bubble diagramme est fini. Et ça, ce sera complètement faux aux dimensions 3 et 4. Donc du coup, toute l'étude qu'on fait là ne peut pas s'étendre. En fait, tu veux peut-être dessiner ça pour dire pourquoi ça s'appelle bubble diagramme. Oui, alors si on raisonne en schéma, c'est parce que les gens dessinent la chose comme ça. Voilà, la somme sur ces choses-là. Ça fait une bubble. Et pour la percolation, ça fait un triangle. Donc là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on fait quoi ? On va sommer sur U et V, probabilité d'être connecté, probabilité d'être connecté, probabilité d'être connecté. Tout à fait, merci. OK, alors, on passe donc à modèle d'Ising, enfin, comportement critique. Modèle d'Ising. Modèle d'Ising. En dimension 3 et 4. En fait, ce que je vais dire est tout à fait juste en dimension supérieure. Hein. Mais c'est là que c'est intéressant. Et le but du théorème, enfin le théorème que j'aimerais vous montrer là, c'est un théorème qui est dû à Michael Eisenman, à moi-même et à Sidor Avicius. Et qui dit, quelle que soit la dimension plus grande ou égale à 3,
la magnétisation spontanée au point critique, elle vaut 0. Et de plus, on va juste écrire comme ça. Hop là. Et là, je vais. Donc, juste quelques petites remarques sur ce résultat. Donc, je vous rappelais, hein, on ne savait pas ce qu'elle valait au point critique. On sait que pour bêta plus grand que bêta C, c'est strictement positif. Pour bêta plus petit, strictement, ça va être 0. Qu'est-ce que ça vaut à 0? Ben, en fait, ça vaut toujours 0. Donc, la transition de phase est continue. C'est le premier, c'est le premier résultat non trivial sur le comportement rigoureux, sur le comportement critique du modèle d'Ising en dimension 3 et plus. C'est un peu la seule chose qu'on connaisse. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même quelques petites conséquences de ça qui sont simples. Enfin, à vrai dire, ce n'est pas tout à fait des conséquences, ça va plutôt dans l'autre sens, mais en fait, ce qu'on arrive à montrer, c'est quelque chose d'un peu plus fort. On montre, en fait, que si j'étais en volume infini et que je regarde la mesure de Gibbs avec conditions libres, c'est la même que celle avec conditions plus. Ce qui n'a aucune raison d'être le cas, puisque je vous rappelle que conditions plus, on avait cassé la symétrie. On n'avait pas défini en volume infini, mais en volume fini, on voyait bien qu'on cassait la symétrie. Et la question, c'était vraiment est-ce que ça persiste ou pas à l'infini. Et donc, en fait, c'est la même aussi que celle avec moins. Donc, en fait, c'est ça qu'on montre. On montre que ces deux choses sont les mêmes. Et vous voyez, si ces deux choses sont les mêmes, puisque free est symétrique par échange de plus et moins, on obtient automatiquement que la magnétisation vaut 0. Donc là, ça me gêne un peu parce que je n'ai pas défini les mesures en volume infini, mais ça prendrait un petit peu de temps de tout justifier. Donc c'est vraiment juste la limite faible des mesures en volume fini. Donc on monte ça. La deuxième chose qu'on obtient, du coup, à partir du moment où on a ça, c'est, je vous rappelle qu'on sait que la susceptibilité vaut plus l'infini. En fait, on savait mieux que ça. On savait que si on prend une boîte de Taillène et on somme les spins sur le bord, les corrélations de spins sur le bord de cette boîte, on obtient plus grand ou égal à 1. Donc, je vous avais dit, ça impliquait que sigma 0, sigma x, ici, vous pouvez mettre libre ou vous pouvez mettre plus, ça revient au même, du coup, puisque c'est la même mesure, à bêta c. On savait que c'était plus grand que constante sur x puissance d moins 1, du coup. D'accord? Mais on a aussi, je vous rappelle, je vous ai dit, on a cette borne infrarouge qui nous dit que cette chose-là, pour le libre, est plus petite que 1 sur la distance à la puissance d moins 2. Donc on a ces deux bornes-là. Donc vraiment, on sait que ça se comporte comme ça décroît polynomialement les corrélations au point critique. À partir du moment où on montre qu'il n'y a pas de magnétisation spontanée, on a gratuitement le fait qu'elle décroisse polynomialement. Ce qui serait très très intéressant, c'est de savoir quelle est exactement la valeur de la puissance. Ça, on ne sait pas. Mais elle est entre d-2 et d-1. Voilà. Donc ça, on a ça pour tout x appartenant à z. Très bien. Donc la question principale, c'est d'essayer de montrer cette égalité-là. C'est ça qui est la chose principale. Elle implique automatiquement ça, donc c'est celle-là qu'on veut. Polynomialement ou en loi des puissances En loi de puissance, si vous voulez. Polynomialement, c'est soit d-1, soit d-2. C'est pas intermédiaire. En probabilité, en tout cas, quand on dit polynomialement, c'est juste vitesse. Ouais. Parce que de toute façon, ce n'est pas vraiment un polynôme, sinon il faudrait que ce soit même positif, donc ça s'accroîtrait. Donc voilà, ouais. C'est en opposition à décroissance exponentielle. Tout à fait. Non, donc là, à vrai dire, on s'attend à ce que ce soit strictement entre les deux. Ce ne sera pas d-2 et ce ne sera pas d-1 en dimension 3. Voilà. Donc en fait, on va montrer quelque chose d'un peu plus fort que ça. On va montrer que si
une certaine chose arrive pour la mesure avec condition libre, alors elle est égale à celle avec condition plus. Donc le théorème, ça va être si l'infimum pour x dans zd de sigma 0 sigma x à la puissance pour free à bêta c vaut 0, alors sigma 0 sigma x plus à bêta c, ça vaut sigma 0 sigma x avec condition libre à bêta c pour tout x. On va montrer ça. Donc, s'il n'y a pas d'ordre, si vous voulez, s'il n'y a pas d'ordre à longue portée pour les conditions libres, alors les conditions plus et les conditions free sont les mêmes. Mais alors ça implique quelque chose d'intéressant parce que vous voyez sigma 0, donc sigma 0, sigma x plus bêta c. Ça, l'inégalité de Griffith, bon alors là il n'y a que deux personnes, mais vous pouvez imaginer, rappelez-vous qu'on avait ce ghost qu'on avait rajouté. Donc quand il y a des conditions, je vous avais énoncé Griffith pour free, avec plus, en fait, vous pouvez imaginer qu'il y a le ghost avec. Et vous pouvez faire exactement la même preuve, vous allez voir que dans ce cas-là, en switchant les sources x ghost du premier domaine à l'autre, vous allez voir que ça, c'est plus petit qu'en fait sigma 0 plus bêta c, c'est plus grand, excusez-moi, fois sigma x plus bêta c. C'est exactement la même preuve, je vous laisse le regarder, vous en convaincre. C'est juste un échange de courant. Mais ça, en fait, c'est exactement donc, la magnétisation spontanée. C'est-à-dire que je ne vous ai pas dit ce que c'était que les mesures en volume infini, mais en fait, la magnétisation spontanée qui était la limite de sigma 0. Donc ça, je l'avais défini comment? Peut-être une parenthèse. Cette chose-là, je l'avais défini comme la limite quand n tend vers plus infini, de sigma 0 lambda n bêta c plus. C'était ça. J'avais peut-être mis l'infimum. Mais en fait, puisque ces mesures-là convergent faiblement vers cette mesure-là, c'est la définition en fait de cette mesure, c'est la limite faible de ces mesures-là. Du coup, quand je l'évalue en cet observable-là, j'obtiens exactement que cette chose-là converge vers ça. D'accord? Et par invariance, par translation, vers ça. Donc le carré de la magnétisation est plus petit que ça. Maintenant, puisque j'ai cette propriété-là, j'obtiens automatiquement, d'où, appelons-la étoile, d'où étoile implique que la magnétisation spontanée égale 0. Donc si je sais montrer étoile, alors ce théorème-là implique que la magnétisation vaut 0. D'accord? Mais étoile, je sais le montrer, parce que c'est exactement l'infrared band. L'infrared band vous dit, donc remarque, pour d plus grand ou égal à 3, on a que sigma 0 sigma x free bêta c est plus petit que constante sur x infini puissance d moins 2. C'était l'infrared band. Et donc en particulier, elle tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Donc ce théorème plus l'infrared band implique le zéro magnétisation. D'accord ? Je pense que c'est un bon moment pour faire un break. On va faire un break de 10 minutes. Et après la pause, on va montrer ce théorème-là. D'accord? Donc en fait, là, ces noms-là, en fait, il faudrait plutôt presque les mettre ici. Pour dire.
Juste une petite parenthèse pour ceux qui ont fait de nouveau de la percolation, j'aime bien quand même faire le parallèle. Il y a cette grande question en percolation qui essaie de montrer que la magnétisation, qu'il n'y a pas de cluster infini au point critique. Et donc nous, on nous a beaucoup demandé, est-ce que notre théorème permet de montrer, donne une idée sur comment montrer ça pour la percolation. En fait, dans ce théorème, vous voyez, il y a deux choses non triviales, en quelque sorte. Il y a le fait que pour les conditions libres, il n'y a pas d'ordre. Et il y a le fait que s'il n'y a pas d'ordre pour les conditions libres, il n'y en a pas pour les conditions plus. Le fait qu'il n'y ait pas d'ordre pour les conditions libres, ça, c'est la borne infrarouge, c'est connu depuis 30 ans. Ce qui est dur, et ce qui est spécifique au modèle d'Ising, c'est que s'il n'y en a pas pour libre, il n'y en a pas pour plus. Et c'est le contenu de ce théorème-là. Mais du coup, pour la perco, ce théorème-là n'a pas vraiment de sens. Il n'y a pas plusieurs mesures en volume infini en perco, c'est indépendant. Donc ce qui est dur, entre guillemets, pour la perco, c'est d'arriver à faire l'équivalent de ce théorème où on a la borne infrarouge là, enfin de la partie borne infrarouge. Sauf que la borne infrarouge n'est pas du tout satisfaite pour le modéliser. Voilà, je vous avais peut-être déjà dit, mais c'est bien de le répéter. Et donc, on fait une pause, on reprend, on va dire, à 40. Alors, on continue. OK. Donc, l'idée va être la suivante. Donc, on veut montrer ce théorème-là. Et jusque-là, vous avez vu que la représentation en courant aléatoire a essentiellement été utilisée pour faire pour avoir des annulations exactes et avoir des expressions. Mais à chaque fois, on réexprimait en fonction des probas, des corrélations de spin. Là, on va changer un petit peu notre point de vue. On va vraiment essayer de regarder géométriquement ce que nous donne. Vraiment observer regarder la représentation en courant aléatoire comme un modèle de percolation. Et en gros, notre but, ça va être de montrer que ce modèle de percolation, il n'a pas de composante connexe infinie. Et en déduire que ça correspond à avoir magnétisation zéro. Donc, okay, ça, on va montrer pour le modèle de courant aléatoire l'équivalent de θPC égale 0 pour la percolation. Alors, quel est exactement le modèle de percolation qu'on va regarder? Donc, prenons un graphe G fini sous ensemble de ZD et regardons la mesure PG bêta. D'ailleurs, excusez-moi, je vais même améliorer un peu mon théorème, boum, comme ça, en une seconde, en disant qu'ici, c'est vrai à n'importe quel bêta. Si j'ai ça pour bêta, alors j'ai ça. Le seul endroit où c'est réellement intéressant, c'est pour bêta C, mais ça va pas. Là, je ne vais plus utiliser le fait que je suis au point critique. Plus du tout. Donc, définition PG bêta, c'est une mesure de probabilité sur 0,1 puissance des arêtes de mon graphe donné tout simplement, ça va être la loi de oméga qui est définie par oméga e, ça va être 1 si n1e plus N2E est strictement positif, et 0 sinon. Et je dois vous dire ce qu'est N1 et N2. Ou N1, je vais prendre un courant sans source sur G, et N2, je vais prendre un courant sans source, mais je vais le prendre sur G union le ghost. Et je vais les prendre indépendants. Donc on a déjà, il me semble, on avait déjà fait ça. On avait déjà pris la trace de la somme de deux courants.
C'est juste que indépendant, c'est juste que là, je fais bien attention. Le deuxième, je lui mets les sources. C'est vraiment un courant qui est relié à la représentation avec condition plus. Donc l'un est relié à la représentation avec condition plus, l'autre avec la représentation avec condition free. Ça va être vraiment l'astuce, si vous voulez. C'est bien là de faire attention que j'ai comme ça. Et donc là, je prends la trace de ça. Donc c'est 1 si l'un des deux courants est positif, au moins. Et sinon, c'est 0. Voilà. Donc ça me donne un modèle de percolation sur le graphe G. Bon, alors, étape 1. Et cette étape, je vais pas la faire parce qu'elle est juste technique. Elle est vraiment juste technique. C'est PG bêta converge faiblement vers une mesure P bêta sur 0,1 puissance les arêtes de ZD. Donc en fait, quand je prends des graphes de plus en plus gros, donc quand je prends des graphes qui tendent vers ZD. Donc je prends une exhaustion, je prends des graphes qui sont de plus en plus grands, par exemple les boîtes de taille N. Je fais tant d'N vers l'infini. Cette mesure, elle converge faiblement. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que si je prends A, qui est un sous-ensemble de 0,1 puissance les arêtes d'un graphe G fini, enfin d'un graphe 0,1 puissance E, où E est un sous-ensemble fini de l'ensemble des arêtes de ZD, alors PG bêta de A converge quand G tend vers ZD vers P bêta de A. C'est ça que j'entends. D'accord ? Pour n'importe quel événement dépendant d'un nombre fini d'arêtes, j'ai la convergence. Là, quand j'entends A inclus dans 0,1 puissance E, ce que j'entends, ici, ça n'a pas vraiment de sens de dire probabilité de cet événement. Je veux dire probabilité de l'événement que... Attends, je vais plutôt mettre ça. Oméga restreint à E appartient à A. Ça, c'est plus précis. Voilà. D'accord ? Donc, je prends un événement qui dépend d'un nombre fini d'arêtes. Alors, la probabilité de cet événement converge quand G tend vers l'infini vers la probabilité pour cette mesure définie sur le plan complet. Donc ça, c'est la définition la plus classique de convergence pour les mesures. Donc, je vais avoir première chose ça. Ce n'est pas du tout évident que ce soit vrai, mais effectivement, ça l'est. Et deuxième chose, c'est qu'en plus, de plus, P bêta est invariante par translation. Et elle est aussi ergodique. Hein, c'est-à-dire que P bêta de A appartient à 0,1 pour tout événement invariant par translation. Donc ça, vous avez déjà vu ça pour la perco. Et elle est normalisée, cette probabilité? Elle vaut 1 pour... Ouais. C'est vraiment une mesure de probabilité. Invariant par translation. Donc ça, c'est un point technique. Il n'y a rien de très intéressant à faire ça. En gros, ce qui se passe, c'est que ces événements qui dépendent d'un nombre fini d'arêtes, en fait, on peut les exprimer en fonction de corrélation de spin. Et le fait que les mesures, par exemple avec condition plus et les mesures avec condition libre, convergent vers une mesure de Gibbs en volume infini, soit avec condition plus, soit avec condition libre, ça implique automatiquement la convergence de cette chose-là. Donc c'est deux pages, c'est un petit peu technique. Si vous voulez, vous allez juste voir la preuve. Il n'y a pas de prérequis ou quoi que ce soit, il faut juste se poser et écrire. Vous allez voir la preuve dans l'article, il y a vraiment... Mais je pense que vous pouvez me faire confiance, parce que finalement, ce n'est pas du tout là qu'on voit quelque chose de subtil arriver. Donc cette étape-là, disons que... Donc on obtient une mesure en volume infini. Maintenant,
Essayons de voir ce qu'on va en faire de cette mesure. Par exemple, est-ce qu'on peut borner, donc étape 2, peut-on borner la probabilité que 0 est relié à x dans cette mesure, donc pour la percolation, pour cette percolation. La réponse va être oui, et en fait, il y a une bande très très simple, c'est que c'est borné par le produit des spins entre, sigma, entre 0 et x, donc les corrélations pour le plus fois la corrélation pour le free. Donc ça, par contre, on va montrer. Donc allons-y. En fait, d'ailleurs, c'est une égalité. Je ne sais pas pourquoi je... Égalité. Donc prenons le terme de droite. Donc ce terme-là, je peux l'écrire comme un rapport de fonction de partition. Hein, donc ça va être z de g union le ghost avec des sources à 0 et x divisé par z de g union le ghost fois z de g 0 x fois z de g ensemble vide. D'accord, ça c'était la définition de nos fonctions de partition. Où là on avait ce truc un peu particulier, peut-être j'avais écrit z plus de g, j'entends vraiment la fonction de partition pour les conditions plus. Donc là qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je vois ça? J'ai envie de faire passer les sources ici, ici. D'accord? On a envie d'utiliser le switching lemma. Utilisons-le. Donc, switching lemma. Donc, quand les sources vont passer là, je vais obtenir la somme sur donc, les premiers courants. Ils vont avoir aucune source maintenant. Ils avaient des sources à zéro. Donc là, une autre façon de... Peut-être, ouais. On va avoir la différence symétrique, donc on ne va plus avoir aucune source. État 2, et le deuxième courant, on ne va plus avoir de source non plus. Par contre, le coût de passer de là à là, ça va nous donner une indicatrice que 0 est relié à x dans la somme des deux courants, dans N1 plus N2. Et je l'avais peut-être écrit comme ça, j'avais peut-être mis un petit chapeau pour dire que je prenais la trace. Et je divise par la somme N1 égale ensemble vide, N2 égale ensemble vide, WN1, WN2. D'accord? Donc là, on voit apparaître quoi? On voit exactement apparaître la probabilité que 0 est relié à x. Alors, normalement, vous devriez froncer un peu les sourcils à ce moment-là. Parce que quand je vous ai parlé du switching lemma, c'était les mêmes graphes à gauche et à droite. Les deux courants étaient sur le même graphe. Or là, un des courants est sur G, l'autre est sur G, union le gauss, donc sur un graphe plus grand. Donc a priori, le switching lemma ne s'applique pas là. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, on peut quand même faire passer les sources du petit graphe dans le grand graphe. Il suffit de refaire la preuve, de suivre ligne à ligne la preuve. La seule différence, c'est qu'en fait là, 0 relié à x, la seule contrainte qu'on va avoir, c'est qu'en fait, c'est 0 relié à x dans G. Il y a une restriction dans le petit graphe. Donc ici, si j'avais un graphe H, j'avais un graphe G, j'ai le droit de faire passer les sources de 0x, les sources du deuxième sur le premier. La seule chose, c'est que quand je dis 0 relié à x, je veux dire dans G. Voilà. Je vous laisse refaire ça, vous pouvez regarder tranquillement, c'est vraiment exactement la même preuve, ligne à ligne. Il n'y a pas de différence. Donc c'est la même preuve ligne à ligne, et ici, je me retrouve exactement, du coup, à dire 0 est relié dans... Donc ça, c'est exactement... dire 0 est relié à x dans la loi, enfin pour la percolation que j'ai définie là-bas. Donc c'est exactement PG
bêta de 0 relié à x. C'est exactement égal à ça. Alors ça, j'étais dans un graphe fini, excusez-moi. Sinon, je n'avais pas la représentation. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Je laisse juste tendre g vers plus l'infini et j'obtiens mon résultat. Donc, maintenant, je fais g tend vers l'infini. G tend vers zd implique l'égalité. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième, du coup. Étape 2. D'accord. Alors ça, c'est pas mal, parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit que sous l'hypothèse étoile, les probabilités que 0 est relié à x va tendre vers 0 pour ce modèle de percolation. Donc, ce qui serait complètement faux si on était avec la percolation de Bernoulli au point, et qu'on supposait qu'il y avait une composante connexe infinie. Hein, si j'ai de la percolation de Bernoulli une composante connexe infinie, comment je vais montrer que 0 et x, que la probabilité que 0 et x ne tendent pas vers 0? Je vais dire que la probabilité que 0 et x sont connectés est plus grande que la probabilité que 0 est relié à l'infini et x est relié à l'infini. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une unique composante connexe infinie dans la percolation. Donc là, mon but, ça va être d'essayer de jouer au même jeu. C'est-à-dire essayer de dire, bon, bah, très bien, la probabilité de 0 et x tend vers 0, bah, ça veut très probablement dire que, en fait, la probabilité de 0 reliée à l'infini tend vers 0. Le problème, c'est qu'il faut que je prouve qu'il y a une composante connexe infinie unique dans mon modèle. Donc du coup, ça va être l'étape d'après. Donc, étape d'après. Si, donc étape 3, si je montre, ou alors non, on va carrément commencer par ça, on va dire la probabilité qu'il existe deux composantes connexes infinies, ça vaut 0. Donc quand je dis 2, c'est au moins 2, bien sûr. Ça peut être un grand nombre. Donc quel est le truc typique? Quelle est la méthode typique pour montrer ça? C'est un argument, un très très bel argument, dû à Burton et Keane. Et cet argument, en général, il est basé sur ce qu'on appelle avoir la propriété d'énergie finie pour le modèle. Le problème, c'est que là, on ne l'a pas, cette propriété. Elle n'est pas vraie. Donc, je vais vous refaire l'argument avec une propriété qu'on a pour ce modèle-là, parce que ça ne marche pas, on va dire, directement avec la technique de Burton et Tocqueville. Alors, ce qu'on appelle la propriété d'énergie finie, en général, c'est la propriété suivante, c'est que si je vous donne un événement A, qui dépend seulement de ce qu'il y a à l'extérieur d'une boîte. Alors dans la boîte, je peux mettre la configuration que je veux. Je vais juste payer une constante, un coût constant. Donc si je prends une configuration oméga dans la boîte, la probabilité de A intersecter avec, enfin on va l'appeler oméga 0, enfin oméga bar, la probabilité de A intersecter avec oméga E égale oméga bar E pour toute E dans l'ensemble petit E d'arête. Donc là, je vais dire que ça, c'est un ensemble E. Et A, il dépend seulement des arêtes en dehors de E. Donc je prends un événement qui dépend que des arêtes en dehors de E. Je prends une configuration à l'intérieur. La probabilité d'avoir cette configuration à l'intérieur et l'événement en dehors est plus grand qu'une certaine constante qui ne dépend que de E fois la probabilité de A. Donc si je ne vous ai pas dit ce qui se passe ici, vous pouvez mettre la configuration que vous voulez ici, ça vous coûtera une constante, mais strictement positive. Alors ça, c'est totalement faux pour
le random current. Pourquoi ? Parce que imaginez, prenons une chose très simple, imaginez un graphe où vous avez une arête et deux graphes comme ça, et rien entre les deux. Imaginez que je vous mets une source X ici, une source Y ici, et que je vous dis, il y a un chemin qui va de là à là, et il y a un chemin qui va de là à là. Ben, les sources elles-mêmes peuvent vous forcer l'arête à être ouverte ici. Donc la contrainte sur les sources peut vous forcer à avoir des arêtes ouvertes. Mais en quelque sorte, c'est la seule chose qui puisse arriver. C'est-à-dire que ce qui est possible de montrer, c'est que donc ça, c'est cette propriété, on va l'appeler 1. 1 est fausse. Pour P bêta. Mais par contre, on a bien que la probabilité de A intersecté avec le fait que oméga E est égal à 1 pour toute arête E dans E, ça c'est bien plus grand qu'une certaine constante fois la probabilité de A. Donc ça peut vous interdire de ne pas avoir d'arête ouverte à un point, mais les contraintes de source ne peuvent jamais vous empêcher d'avoir des arêtes ouvertes. La raison, elle est toute simple, c'est que vous pouvez toujours ajouter, deux à votre courant. Ça ne change pas la contrainte, ça ne change pas du tout les propriétés de source. Les sources sont les mêmes. Mais en ajoutant deux, maintenant, vous avez une arête ouverte, forcément. D'accord ? Donc autant, par exemple, si vous aviez 1, si la valeur de votre courant était 1, vous ne pouviez pas forcément la changer à 0, parce que là, vous changiez les contraintes de source. Autant, si votre courant était 0, vous pouvez le faire passer à 2, ça ne change pas les contraintes de source. Et si vous voulez une autre interprétation, c'est que vous pouvez rajouter une petite boucle qui fait toc-toc, qui fait juste qui va et qui revient. Voilà, donc ça, c'est possible. Et c'est pas très très dur à montrer, mais c'est de nouveau un petit peu technique. Donc vous allez juste me faire confiance sur celui-là. L'interprétation, c'est vraiment juste le courant, en gros, une configuration avec un courant zéro en un point, enfin une arête, à constante près, c'est le même poids qu'avec courant égal à 2. D'accord ? Voilà, donc on peut toujours ouvrir des arêtes. Donc il faut qu'on arrive à faire marcher Burton-Kean, pour ceux qui connaissent déjà l'argument, avec juste cette propriété-là, pas avec la propriété où on ferme des arêtes. Alors, donc ça, c'est notre lemme. Je vais faire quelque chose exactement comme ça un tout petit peu plus tard. D'accord ? Je ferai exactement cette propriété-là un tout petit peu plus tard. Alors, comment on fait Burton-Kean ? Je devrais vous demander, puisque je pense que vous l'avez déjà vu. Donc on va définir E plus petit ou égal à 1, E plus petit à l'infini et E égale l'infini. C'est trois événements. Le premier, ça va être, il existe 0 ou 1 ou une composante connexe infinie. E plus petit que l'infini, c'est il existe un nombre fini de composantes connexes infinies, et E égale l'infini, s'il existe un nombre infini de composantes connexes infinies. D'accord ? Donc mon but, c'est quoi ? C'est de montrer que E plus petit ou égal à 1 a probabilité 1. Alors, première étape. Ça va être d'exclure le fait qu'il puisse y avoir un nombre fini de composantes connexes infinies, mais pas seulement 0 ou 1. Donc par exemple, exclure qu'il y en ait 2, 3, 4, etc. Donc on va regarder. Donc, étape 1, enfin petit a, la probabilité, donc je vais l'écrire comme ça, d'avoir un nombre fini, mais pas 1, c'est 0.
Alors, comment on fait ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir n appartenant à n. Vous avez déjà vu ça pour la percolation. Vous avez fait l'argument de Burton-Kin, je pense. Donc là, je le réécris juste. Bon, c'est pas très long et c'est un joli argument, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est bien. Donc, on choisit un grand n, tel que la probabilité que tout, enfin toutes, les composantes connexes infinies intersectent lambda n est plus grand que 1/2 de la probabilité d'avoir un nombre fini de composantes connexes infinies. Donc vous êtes d'accord, on peut toujours choisir un grand n tel qu'on a cette propriété-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'union de ces événements-là, c'est exactement l'événement où il existe un nombre fini de composantes connexes infinies. D'accord? S'il existe un nombre fini de composantes connexes infinies, il existe une boîte telle que, qui intersecte toutes ces composantes connexes infinies. Donc je peux toujours faire ça. Mais maintenant, le fait que toutes les composantes connexes infinies intersectent lambda n, c'est un événement qui ne dépend pas des arêtes dans lambda n. Elle ne dépend que des arêtes qui sont en dehors de lambda n. Donc du coup, je peux utiliser cette propriété-là pour dire bah, je tourne toutes les arêtes qui sont à l'intérieur de lambda n ouvertes et j'obtiens que la probabilité de cet événement-là, appelons-le A, la probabilité de A intersecter avec oméga E égale 1 pour toute E dans la boîte de taille lambda n, cette chose-là, ça va être plus grand que cette fameuse constante C de E de lambda n fois 1/2 fois la probabilité de E plus petit que l'infini. Mais cet événement à gauche, ben, il est contenu dans le fait qu'il existe une seule ou zéro composante connexe infinie. Je n'ai jamais dit qu'il y en avait des composantes connexes infinies ici. D'accord? Mais donc cette chose-là à gauche est bien plus petite que cette chose-là. Donc j'ai que cette chose-là est plus grande que C de E de lambda n fois 1/2 fois la probabilité d'avoir un nombre fini. Le problème, c'est que puisque P bêta est ergodique et que les deux événements sont invariants par translation, eh ben on en déduit que la seule possibilité, c'est qu'ils aient la même valeur. Parce que si ce gars-là est strictement positif, alors celui-là va être positif, et puis celui-là, bien sûr, est plus petit que ça. Voilà. Donc soit ils valent tous les deux 0, soit ils valent tous les deux 1. Donc par translation, on en déduit donc ça, c'était la première étape. Donc cette étape, c'est exactement la même, elle n'est pas tout le temps écrite comme ça, mais c'est exactement la même que celle de Burton-Kin pour la percolation. Parce qu'on a juste eu besoin d'ouvrir des arêtes. Alors maintenant, il nous faut exclure le fait que on a peut-être qu'en fait, on a un nombre infini de composantes connexes et on veut montrer que ça, ça vaut 0. Alors, donc là, vous voyez, si on a un nombre infini de composantes connexes, on est, à aucun moment, on va arriver à trouver un n tel que la boîte intersecte toutes les composantes connexes. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va trouver un n tel qu'elle va intersecter trois composantes connexes disjointes. Donc, choisissons n.
tel que trois composantes connexes infinies intersectent un lambda n. Donc je vais prendre ça plus grand que 1/2 de la probabilité de E infini. Et puis là, je vais de nouveau utiliser le fait qu'il y ait trois composantes connexes qui intersectent lambda n. Du coup, ça va me permettre de dire, je vais regarder l'événement que lambda n, donc oméga e, égale 1 pour toute e appartenant à lambda n, et oméga restreint au reste, en dehors de la boîte de taille lambda n, possède trois composantes connexes disjointes touchant la boîte de taille lambda n. Et oméga restreinte à zd privé de e lambda n contient trois composantes connexes infinies touchant lambda n. Donc cette chose-là, ben, c'est exactement, si vous voulez, si je prends cet événement-là, que je regarde juste le fait que cet événement, il implique cet événement-là, et que j'ouvre toutes les arêtes à l'intérieur, j'obtiens que ça, c'est bien plus grand que C de E de lambda N fois cette chose-là. Donc, peut-être un dessin, là, ça va aider. Ça va aider. Donc là, ici, ça veut dire quoi? J'ai ma boîte lambda n. Si je sais que j'ai trois clusters disjoints qui touchent la boîte, en particulier si j'enlève, si je ferme, si j'oublie ça, bah, j'ai bien trois clusters disjoints au moins qui touchent la boîte. Maintenant, c'est un événement qui ne dépend plus de ce qui est dans la boîte, donc je peux ouvrir toutes les arêtes dans la boîte avec probabilité positive. Donc maintenant, je n'ai plus qu'un cluster qui touche la boîte. Par contre, il a vraiment cette propriété de la boîte est vraiment pivot de ce point de vue-là. Si je l'enlève, j'ai vraiment trois composantes connexes infinies, au moins. J'en ai peut-être beaucoup plus, mais j'en ai au moins trois. Donc ça, normalement, si vous avez vu l'argument de Burtonkin, vous avez vu ça pour une arête, juste pour n égale 0. Un point était pivot. Enfin, on appelle ça une trifurcation. Donc ça va être une trifurcation. On va dire que le centre de la boîte, on va l'appeler x. X est une trifurcation. Si taux x de cet événement, appelons-le b, cet événement, taux x de b, donc la translation par x de b, et vérifier. D'accord ? Donc en général, on fait ça avec n égale 0. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, on dit il y a trois composantes connexes qui intersectent lambda n. Et après là, on dit ici, on transforme dans la boîte, on crée trois chemins qui vont arriver jusqu'à 0 et qui vont avoir telle et telle propriété, enfin qui vont avoir les propriétés d'être trois chemins disjoints et qui ne se réunissent qu'en zéro. Mais pour faire ça, on a besoin de fermer des arêtes pour être certain que les chemins restent disjoints. Là, je n'ai pas le droit de le faire. Donc, je vais juste ouvrir des arêtes. Entre nous soit dit, c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça parce qu'il y avait peut-être, vous l'avez vu, un petit problème quand on essaie de fermer les arêtes quand les trois chemins arrivent exactement dans le coin. Ce n'est pas possible de le faire. Alors, il y a différentes façons de se débarrasser de ce problème-là. Mais là, je vous dis juste, en fait, juste ouvrez tout le monde. Et on va voir que l'argument qui suit va toujours fonctionner parfaitement. Alors, j'ai ça. Donc, la probabilité d'être une trifurcation est positive. D'accord ? Appelons cette quantité, appelons-la P0. Enfin, elle n'est pas positive, elle vaut P0. Okay.
Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre grand N. Donc on va prendre grand N, ça va être le nombre de x appartenant à 2n zd. Donc je vais prendre juste des points tous les deux n. À 0, on a 2n1, etc. Et je vais regarder, bon, peut-être que je vais prendre 2n plus 1, pour être sûr qu'elles sont disjointes. Je vais prendre l'ensemble des points comme ça, tel que x est une trifurcation. Donc là, ça c'est infini, donc je vais prendre les ensembles qui sont là-dedans, intersectés, avec une boîte de taille petit n. Donc je vais prendre une énorme boîte, astucieusement petit n est beaucoup plus grand n, et je vais compter le nombre de trifurcations dans ma boîte. Donc quelle est l'espérance de ça? Donc l'espérance de bêta, enfin l'espérance de n, excusez-moi, par définition, elle va être plus grande que p0, chacun des points a une proba p0 d'être une trifurcation, fois le nombre de points de mon réseau qui sont dans lambda n, c'est-à-dire quelque chose comme la taille de lambda n divisé par 2 grand n plus 2 à la puissance d, quelque chose comme ça. Bon, peut-être 4 grand n, enfin, on va prendre quelque chose comme lambda grand n plus 1, 2 grand n plus 2. Voilà. D'accord ? Donc ça, ça croît. Quand n tend vers l'infini, ça croît comme n puissance d. Donc mon but, c'est de montrer qu'en fait, ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas croître comme n puissance d. De nouveau, hein, dans l'argument classique, vous avez juste ici, vous prenez juste l'ensemble des x dans zd, vous n'avez pas besoin de prendre dans un sous-réseau. Alors, mon but, c'est de montrer qu'il n'y a pas beaucoup de trifurcations. Donc ce que je vais faire, c'est prenons une configuration avec un certain nombre de... Juste prenons une configuration. On a des trifurcations, d'accord? Je les vois, ces trifurcations. Donc première chose que je vais faire, je vais dire je ne touche jamais aux boîtes autour de mes trifurcations. D'accord? Les arêtes qui sont dans les boîtes, qui sont dans mes trifurcations, je ne les bouge pas du tout. Donc ça, c'est étape 1. Étape 1, en quelque sorte, on gèle les arêtes dans mes boîtes qui trifurquent. Hop là, pourquoi pas. L'étape 2, ça va être, vous, à chaque fois que vous avez un cycle, vous enlevez une arête. Donc vous avez des cycles, hein, des fois vous avez des choses comme ça. Étape par étape, vous épluchez en quelque sorte votre configuration en enlevant les arêtes, une arête de chaque cycle. Donc on enlève une arête de chaque site, de chaque cycle. Vous le faites étape par étape, donc vous remarquez que vous gardez tout le temps les propriétés de connectivité, vous ne les perdez jamais en faisant ça. Deux points qui étaient connectés restent connectés après avoir fait cette opération. Par contre, qu'est-ce que vous avez gagné? Maintenant, vous avez une forêt. D'accord? Il y a aussi des composantes hein, qui sont comme ça. Donc, vous avez une forêt maintenant. Étape 3. Vous enlevez toutes les arêtes, de nouveau, qui ne sont pas gelées. Hein. Donc là, enlever une arête non gelée, de chaque cycle. Ou si vous préférez, de chaque cycle d'arête non gelée plutôt. D'arête non gelée. Troisième étape, enlever toutes les arêtes dont les deux extrémités ne sont pas reliées au bord. Donc enlever toutes les arêtes dont les deux extrémités ne
ne sont pas reliés au bord sans utiliser l'arête. Parce que sinon, bien entendu, si une des extrémités est reliée, l'autre l'est aussi, sans utiliser l'arête. En ayant fait ça, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai enlevé toutes les branches de mon graphe. Toutes les branches et toutes les composantes qui ne sont pas reliées au bord. Donc, qu'est-ce que j'obtiens maintenant? J'ai quoi? J'ai juste, en fait, un arbre dont les feuilles ne peuvent être que les arêtes sur le bord. Il n'y a plus de feuilles à l'intérieur puisque j'ai épluché toutes les branches à l'intérieur. Donc, toutes les feuilles de mon graphe sont les arêtes, sont des points du bord. Et toutes les trifurcations correspondent à un point. On pourrait peut-être faire ça. On va faire une dernière étape juste pour la beauté du geste. On va juste les trifurcations. On va les réunir en un seul sommet. On va faire étape 4. Étape 4. Collapse. Bon, bref. Peu importe. Collapse les trifurcations en un point. En un sommet. Donc maintenant, j'ai une forêt dont les feuilles sont forcément sur le bord et dont toutes les trifurcations sont des sommets de degré 3 ou plus. Donc forcément, il y a moins de trifurcations parce qu'il y a moins de sommets de degré 3 ou plus que de feuilles dans une forêt. Du coup, N est en fait déterministiquement plus petit que la taille du bord de mon graphe. Donc il y a plusieurs façons de voir ça. Moi j'aime bien cette pour les trifurcations, quand on oublie l'étape 4, je trouve que ces trois étapes, elles montrent vraiment bien qu'on obtient, on voit très clairement pourquoi il y a moins de trifurcations de points sur le bord. Je trouve que c'est la façon la plus jolie de voir. Très bien. Donc du coup, ça nous dit qu'on a moins de choses comme ça. Donc du coup, P0 fois lambda, P0, c'est plus petit que la taille de la boîte de taille 2 grand N plus 2 fois le bord de la boîte, la taille de la bord de la boîte divisée par la taille de la boîte elle-même. Donc quand je laisse N tendre vers l'infini, j'obtiens 0. Mais P0, c'est plus grand qu'une constante fois la proba de E égale l'infini. Donc la proba de E égale l'infini vaut 0. Voilà. Je pense que c'est vraiment la façon la plus rapide d'expliquer cet argument. En particulier, il n'y a pas de raisonnement par l'absurde ou de choses comme ça. C'est vraiment la façon géodésique. Si vous essayez de la refaire avec les trifurcations, ça marche. Enfin, vraiment dans le cas. En fait, finalement, prendre ces coarse trifurcations, comme on les a appelés dans l'article, ça permet vraiment de se débarrasser du problème des coins. Donc, en fait, même pour la percolation, je trouve que c'est la preuve la plus simple. En fait. Il y a d'autres façons de gérer le problème des coins, mais c'est en fait la plus rapide de mon point de vue. Voilà. Donc ça, c'était l'étape 3, quelque chose comme ça, ou 4, dans l'étape 3, qui nous dit il y a une unique composante connexe infinie si elle existe. Donc c'est bien, il reste 6 minutes, je crois qu'on va avoir exactement le temps de finir. Étape 4, bon, bah, déduisons-en qu'il n'y a pas de composante connexe infinie. Donc ça, je vous dis, pour la perco, ce qu'on dirait, c'est que proba de 0 relié à x est plus grande que la proba de 0 relié à l'infini fois proba de x relié à l'infini. Mais pour avoir ça, on utiliserait l'inégalité FKG. Or, on ne l'a pas pour les courants. Donc là, on va devoir faire un tout petit peu mieux. Donc ce qu'on va regarder, c'est que regardons lambda n fois la proba de 0 relié à l'infini. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va regarder l'espérance du nombre de points dans la boîte de taille n
relié à l'infini. On va voir qu'en faisant une petite manipulation, on obtient une contradiction. D'accord ? Donc prenons ça et puis mettons-le au carré parce qu'en fait, il va y avoir un Cauchy Schwarz qui va se balader par ici. Donc cette chose-là, c'est quoi ? C'est exactement l'espérance par rapport à bêta de la somme pour x dans la boîte de l'indicatrice de x relié à l'infini. D'accord ? C'est la moyenne de cet observable au carré, de cette variable aléatoire au carré. Là, j'ai juste utilisé l'invariance par translation. Maintenant, là, j'utilise Cauchy-Schwarz. Ça va être plus petit que l'espérance par rapport à bêta du carré de cette chose. Voilà, ça c'est Cauchy-Schwarz pour la mesure P bêta. Et donc ça, je peux le réécrire comme la somme sur x et y dans lambda n de la probabilité que x et y sont reliés à l'infini. D'accord ? La première somme, je lui mets l'indice x, la deuxième, l'indice y. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il me reste à voir que maintenant, puisque je sais qu'il y a une unique composante connexe infinie, si x et y sont reliés à l'infini, ils sont reliés entre eux. Donc ça, c'est égal, c'est plus petit, excusez-moi, que la somme sur x et y dans lambda n de la proba que x est relié à y. Comme ça. Donc là, ici, j'ai utilisé unicité. Unicité de la composante connexe infinie. Ici, c'était l'invariance par translation. Mais maintenant, je peux utiliser la propriété étoile plus mon étape 1 qui disait la probabilité que 0 relié à x est plus petite que le produit des corrélations de spin pour plus fois corrélation de spin pour moins, pour free, excusez-moi. Et pour free, j'ai dit, ça tend, c'est l'hypothèse exactement que ça tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Donc du coup, cette somme-là, quand lambda n va tendre vers plus, quand n va tendre vers plus infini, ça va se comporter comment par rapport au volume de la boîte ? Eh bien, ça va être un petit taux du volume de la boîte au carré. Voilà. Du coup, là, j'ai bien volume au carré fois la proba au carré. Et donc, du coup, ça me dit bien que la proba de 0 relié à l'infini vaut 0. Donc là, quand je fais n tend vers plus infini, j'obtiens qu'il n'y a pas de composante connexe infinie. Donc j'ai entre guillemets, c'est quelque chose que vous auriez pu utiliser aussi pour la percolation, c'est juste qu'il n'y a pas besoin de FKG en fait, pour montrer que, si on a que la fonction à deux points tend vers 0, alors il n'y a pas de composante connexe infinie. Tant qu'on a montré l'unicité, si on n'a pas montré l'unicité de la composante connexe infinie, il se pourrait qu'on ait une infinité de composantes connexes infinies, et dans ce cas-là, on n'aurait pas la propriété, on aurait une composante connexe infinie avec proba positive, mais on n'aurait pas que les fonctions à deux points ne tendent pas vers zéro. Juste pour vous rappeler, si vous prenez un graphe non moyennable comme un arbre ou quelque chose comme ça, là vous avez tout un régime où vous avez une composante connexe infinie, donc la probabilité que 0 est relié à l'infini est positive, mais la probabilité que 0 est relié à x tend vers 0 quand x tend vers plus infini. D'accord ? Donc c'est possible, c'est pas juste quelque chose de fou. Très bien, ben on a quasiment fini. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à notre dernière petite étape. Étape 5. Ben, on va montrer que sigma 0, sigma x plus bêta moins sigma 0, sigma x libre bêta est plus petite qu'une certaine constante qui dépend de x fois la probabilité que 0 est relié à l'infini. La constante dépendant de x, elle peut être énorme. Mais vous voyez bien que si, puisque cette chose-là vaut 0, ça vaut 0 et c'est toujours positif aussi. Donc, on a bien que les fonctions de corrélation sont les mêmes pour plus et pour libre. Donc, finissons par ça. Donc,
on va prendre notre sigma 0 sigma x plus bêta moins sigma 0 sigma x libre bêta. On va de nouveau écrire ça avec nos fonctions, avec nos sommes, nos fonctions de partition. Donc c'est G union le ghost avec des sources 0x sur z de G union le ghost sans source, moins la même chose comme ça. Et là, si on réduit au même dénominateur et on utilise le switching lemma, donc si on réduit au même dénominateur, ici on va avoir ça fois z de g l'ensemble vide, moins z de ça fois z de g union le ghost ensemble vide. Je fais passer les sources, on a dit qu'on avait le droit de faire passer les sources du petit vers le grand, donc je fais passer les sources du petit vers le grand au prix d'avoir l'indicatrice que 0 est relié à x. Puisque ici, je n'ai pas d'indicatrice, ça va me donner exactement la proba 0x g union ghost bêta ensemble vide g de 0 et x ne sont pas reliés. Mais quelle est la seule façon de ne pas être relié? Donc ça, c'est de nouveau, on a fait ça 15 fois, donc c'est vraiment la même chose, je vous laisse le regarder. Quelle est la probabilité que 0, enfin, quelle est la seule façon que 0 et x ne soient pas reliés? Ben, les sources vous obligent 0 à être relié, c'est une source, donc c'est une source dans N1, donc il doit être relié à quelque chose. Et l'autre doit être aussi relié à quelque chose. Donc la seule façon, c'est qu'en fait, ils soient tous les deux reliés au ghost. Donc ils doivent être liés jusqu'à l'extérieur de la boîte. Le seul problème, c'est que vous voyez, quand je regarde PG bêta, si je regardais la mesure que j'ai définie sur PG bêta, il n'y a pas de source, ni pour le premier, ni pour le deuxième courant. Là, j'ai des sources. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez vérifier, prenez un chemin qui va de 0 à x, d'accord, fixez-le. Et sur ce chemin, changez la parité, ajoutez 1 à votre courant, à votre premier courant là. Vous ajoutez 1. En fait, vous pouvez vérifier que ajouter 1, ça vous exactement comme on pouvait tourner les arêtes ouvertes. On peut faire la même chose ici, on peut tourner les arêtes, on peut ajouter 1 au courant, et ça va juste vous coûter constante. Donc cette chose-là, ça va être plus petit qu'une constante qui va être horrible, c'est-à-dire que pour chaque arête de ce chemin entre 0 et x, vous allez en fait payer une constante strictement plus grande que 1. Donc ce cx, ça va être exponentiel en la distance entre 0 et x, mais vous allez pouvoir obtenir aucune source. Alors là, maintenant, 0 et x sont reliés, mais ce n'est pas ça qu'on va regarder. Ce qu'on va regarder, c'est que 0 était relié au ghost avant, donc il doit encore être relié au ghost maintenant. Donc on va juste garder l'information 0 et relié au ghost. Faites tendre g vers plus l'infini. Cette chose-là, ça converge vers quoi? Le ghost, il s'éloigne de plus en plus. Il va à l'infini. Donc en fait, cet événement-là va converger vers 0 relié à l'infini. Donc ça, ça va converger vers la probabilité de 0 relié à l'infini. Et la chose importante, c'est que ce cx, là, ce chemin, il est fixé, sa longueur est fixée, donc ce coût cx, il ne dépend pas du graphe g. Donc vous allez obtenir exactement ça. Donc la différence entre les corrélations de spin pour plus et pour libre est contrôlée uniformément par cx fois la probabilité d'avoir une composante connexe infinie. Et du coup, si cette composante connexe infinie n'existe pas, ça nous implique que les corrélations sont les mêmes, et on a vu que ça impliquait que la magnétisation vaut 0. En fait, ça implique aussi que les deux mesures sont vraiment égales. Il n'y a pas que la magnétisation, c'est les deux mesures sont égales. Voilà, donc ça, c'est la fin. Je vous ai, en gros, les deux choses que j'ai pas montrées, enfin, les trois choses que j'ai pas montrées dans la preuve, je ne vous ai pas fait l'ergodicité et la définition de P bêta. C'est vrai. À vrai dire, je ne suis même pas sûr qu'on en aurait beaucoup besoin, mais effectivement, ça, c'est un petit terme... C'est un petit côté technique
qui est pas très plaisant. Et je vous ai pas fait les deux fois que là, cette inégalité, par exemple, je vous ai pas vraiment expliqué le finite energy. Vous pouvez essayer de le faire vous-même. C'est vraiment, vraiment, c'est un multivariate map principle en quelque sorte. C'est une modification un peu à la main. Ça se fait très, très bien. Il n'y a pas de conceptuellement, il n'y a pas de difficulté cachée derrière tout ça. Je vous ai expliqué quelle était l'idée vraiment, qui était d'essayer de montrer qu'on a une composante connexe unique et d'utiliser ses propriétés, en gros, d'ergodicité de P bêta pour montrer que ça, c'est incohérent avec l'hypothèse... montrer que ça combiné avec l'hypothèse triangle, c'était pas du tout un triangle d'ailleurs, c'était une étoile, c'est pas grave, que l'hypothèse étoile vous donne qu'il n'y a pas de composante connexe infinie. Voilà, donc là, c'est la fin pour cette semaine. Et donc, au dernier cours, on fera en dimension 2, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Vous n'aurez pas le temps de faire la preuve complète, bien entendu, en 2 heures, mais l'invariance conforme en dimension 2. Voilà, merci beaucoup.